C'est la même espèce, mais elles peuvent avoir des couleurs variables, hein, variées. Ça, c'est, se trouve à 20 mètres de profondeur sur nos côtes, hein, dans les, sur des fonds rocheux et un ce peu sont brassés, quoi. Des animaux, des végétaux? Ah, c'est un nom de fleurs, parce qu'anémone, mais ça, c'est d'animal. C'est un animal, hein. Oui, oui, comme les coraux. Anémone de mer. Là, on en voit, là, par exemple. Donc, c'est, on parle de symbiose, hein, c'est une association voilà. entre de l'animal et du végétal. Ouais, tout devrait être... Dans leur tissu, il y a des petites algues microscopiques qui, ah oui, qui captent de la lumière. La lumière. Et donc qui fabriquent de la matière organique et nourrissent le corail. Et si elles disparaissent, le corail, c'est ce qu'on parle du blanchiment des coraux. Les coraux meurent de faim, ils blanchissent, ils les algues partent, ils blanchissent, ils perdent leur belle couleur, qui est due aux algues d'ailleurs. Et en fait, ils n'ont plus leur source de nourriture principale, parce que dans les zones tropicales, c'est des eaux très claires, il y a peu de nourriture à attraper en fait. Et le truc noir là, c'est quoi alors? C'est une holothurie, ah. un concombre de mer. J'ai vu ça, t'as la salle. Ouais. Et il y en a en Bretagne. Bien sûr. Ah, ouais. Et tout ça, c'est par des fonds de 20 mètres, quoi. Ouais. C'est pas à marée basse. Non, bah, tant mieux, comme ça, personne vient les enlever. Je peux tester, mais je pense que c'est toujours pareil. Et ça, c'est un Bernard Lhermitte là. Là, non. Par exemple, une image. Ouais, Bernard Lhermitte dans une coquille là. Ah, j'ai vu un vélo Bernard Lhermitte. Apparemment, il y aurait deux.